Jack Leclerc, je suis le chef d'atelier chez Lefèvre depuis 10 ans maintenant. Je suis responsable de tout ce qui est production, suivi qualitatif, ainsi que du recrutement des jeunes en formation au sein de l'entité Lefèvre Taille de Pierre Paris. Je m'occupe de gérer la production, donc tout ce qui est taille de pierre pour les chantiers. Donc les pierres travaillées sur Paris sont essentiellement les pierres de Saint-Maximin dans l'Oise, à côté de Saint-Leu-la-Forêt. C'est essentiellement du calcaire tendre, ou calcaire dur en fonction de l'emploi dans l'édifice. On est sollicité sur les chantiers pour changer structurellement la pierre, c'est-à-dire que s'il y a eu un travail de l'édifice mécaniquement qui a créé des cisaillements sur l'édifice, on sera amené à changer les éléments massivement. Alors dans l'atelier, dès l'instant où les architectes ont validé les calepins et les dessins en 3D, le cas échéant quand il y a des éléments structurels et mécaniques à changer, moi je récupère, je réceptionne les plans ainsi que les fichiers AutoCAD et les fiches de débit. Donc on va exploiter la nature de pierre prescrite en fonction de la nécessité et de l'utilité sur l'édifice. Et à partir de ces blocs bruts, on va être amené à faire des tranches. Bien souvent, on va déterminer d'abord les hauteurs, on va prioriser les hauteurs. Et dans ces hauteurs-là, ça nous donnera des tranches. Et à partir de ces tranches-là, on va les exploiter pour faire des blocs, ce qu'on appelle des blocs six faces ou des blocs capables. De ces blocs capables-là, une partie sera donnée à la taille, ou une autre partie peut être effectivement orientée vers la machine numérique. Maintenant, ça nous permet de garder le travail 100% de notre production en interne, ce qui n'enlève pas le fait que la société Lefèvre soit impliquée dans la formation initiale, à savoir le CAP, le BP, BPMH, voire d'autres formations supérieures telles que le BTMS. Et moi, je mets un point d'honneur à former en formation initiale, donc à l'outil manuel, tout en prolongeant l'outil mécanique, à savoir tout ce qui est marteau pneumatique en air comprimé, parce que c'est ce qui est demandé. Dès que les jeunes sortent de formation, il leur est demandé d'être performants. Le travail manuel n'est pas enlevé, ça nous permet de faire l'ensemble de notre production en interne. Il est vrai qu'aujourd'hui, contrairement il y a 10 ans, il y a moins de demandes de jeunes en formation initiale. On a la chance en France d'avoir une histoire, un savoir-faire, encore des gens qui se retransmettent le métier. Nous, on sait que chez Lefèvre, on va prendre entre 4 et 6 jeunes par an au sein de l'entité de Gennevilliers. Mais sur l'ensemble du groupe, je pense que, à ma connaissance, il y a souvent entre 2 et 4 personnes par société.